Hola, qué tal? Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui pour vous parler de la sélection française, donc la liste qui a été annoncée hier par Didier Deschamps. Je vais revenir dessus et dire ce que je pense dessus. Donc on commence tout de suite par les gardiens. Areola, Lloris et Maquignan. C'est assez logique. Je pense qu'on peut parler aussi de l'absence de Mandanda et de Lecomte. Alors Mandanda, je vois mal revenir honnêtement à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'est pas prêt de revenir en équipe de France, sauf s'il y a beaucoup de gardiens blessés. Et globalement, je vois pas revenir en équipe de France. Parce que je pense qu'il est en fin de carrière et que Didier Deschamps souhaite renouveler ses gardiens de but et avoir des gardiens plus jeunes et prometteurs pour l'avenir. Donc je pense que Mandanda devrait probablement pas revenir en équipe de France. Même si honnêtement, c'est pas spécialement ce que je souhaite. Et pour en revenir à Lecomte, des performances compliquées en ce moment avec Monaco. Après la défense, sa défense l'aide pas, mais des performances compliquées avec Monaco. On sait que c'est toujours compliqué de s'adapter à une nouvelle équipe. Donc voilà sur ça. En tout cas, les trois gardiens qui sont sélectionnés, c'est assez logique. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ensuite, on va commencer par la défense et par les latérales gauches, donc Lucas Digne et Lucas Hernandez. Lucas Digne, je l'avais trouvé très très décevant face à la Turquie. C'est pas le premier match qu'il a loupé. Honnêtement, moi j'aurais plutôt essayé un autre joueur plutôt que lui. Mais on sait que Didier Deschamps lui fait confiance depuis pas mal de temps, donc c'est pas étonnant qu'il soit sélectionné. Et voilà sur ça. Après, il y avait quand même quelques blessés latéral gauche. Donc il y a Benjamin Mendy qui est, il me semble, encore blessé. Donc lui, je sais pas trop où il en est, mais globalement j'ai l'impression que c'est même plus un joueur de foot. Il est toujours blessé, ça devient très très inquiétant. Alors que c'est un joueur qui a énormément de talent pour l'instant. C'est en train de devenir du gâchis. Et j'espère que la situation va changer très prochainement. Parce que pour l'instant, ce qui se passe avec Mendy est très très décevant. Je sais qu'il est pas réputé pour avoir une très très bonne hygiène de vie. Alors peut-être que ça joue, mais honnêtement, ce qui se passe avec Mendy en ce moment, c'est très très décevant avec Benjamin Mendy. Surtout que c'est un joueur très intéressant. Donc voilà sur ça. Et on sait que l'autre Mendy, Fernand Mendy, si je ne me trompe pas sur le prénom, est blessé également. Donc voilà sur ça. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'options, mais moi j'aurais tenté un autre joueur plutôt que Lucas Digne. Voilà sur ça. Ensuite, à droite, Dubois et Pavard. Alors, je suis d'accord, mais je souhaite revenir sur Pavard. Pavard, je trouve que depuis la fin de la Coupe du Monde, il fait des prestations très très inquiétantes. Franchement, je suis assez inquiet quand je vois ses prestations. Je me demande s'il va être encore longtemps titulaire au Bayern s'il continue de faire des telles prestations. Voilà sur ça, j'espère qu'il va vite se remettre dans le droit chemin et qu'il va faire des performances intéressantes et qu'il va chercher à progresser. Voilà sur ça, mais en attendant je l'aurais sélectionné aussi voilà sur ça. Et Dubois, c'est un joueur que je trouve intéressant aussi. Ensuite, Laporte, l'anglais, pour la défense centrale, Laporte, l'anglais, Varane et Zouma. Je suis très surpris par Laporte. Alors il mérite d'être sélectionné, mais c'est un joueur que Deschamps jusque-là ne voulait pas. Et voilà, il a eu l'occasion de le sélectionner bien avant, il l'a jamais fait. Et là il le sélectionne. J'avais l'impression que c'est un joueur qui comptait pas dessus. Voilà sur ça. Mais là il a décidé de le sélectionner, pourquoi pas. Voilà, je suis pas contre son idée. Je trouve que c'est bien il s'est peut-être remis en question sur la question. Et du coup il a décidé de le sélectionner. Je trouve ça bien parce que je trouve qu'il mérite d'être sélectionné à l'heure actuelle. Voilà, c'est bien pour Laporte. L'anglais mérite d'être sélectionné, Varane également, et Zouma c'est un plutôt bon joueur, et Didier Deschamps a tendance à lui faire confiance. Voilà, c'est pas étonnant qu'il soit sélectionné, c'est pas illogique non plus. Voilà sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, donc il y a beaucoup de blessés au milieu de terrain. Matuidi, Nwanzi, Pomba, Sissoko et Tolisso. Matuidi, rien à dire, c'est logique.
Nzonzi, je suis surpris parce que l'année dernière il a pratiquement pas joué, donc là il est dans un nouveau club, le Galatasaray. Là il est dans un nouveau club, donc j'espère qu'il va rejouer, mais c'est vrai que pour l'instant Nzonzi, je suis un petit peu surpris de l'avoir sélectionné. Mais bon, c'est vrai que c'est un joueur qui a fait de très bonnes choses avec l'équipe de France. Donc voilà sur ça, c'est pas totalement illogique non plus. Donc voilà sur ça, Pomba c'est logique, Sissoko je m'y attendais, et Tolisso qui revient de blessure et qui est sélectionné. Bah, c'est un bon retour, je pense que c'est un joueur intéressant et je suis content de le revoir sur les terrains de football. Donc voilà sur ça. Ensuite les attaquants, Oussam Ben Yedder. Ben Yedder, c'est un joueur que j'aime plutôt bien, qui a un profil intéressant. Je suis content de le voir sélectionné. Il avait fait une bonne prestation sur le dernier match, même si il n'y avait pas grande rivalité en face. Voilà sur ça. Coman, c'est un joueur intéressant, même si, comme je le dis toujours, je trouve qu'il est trop souvent blessé. Mais bon, là il est là, j'espère qu'il se blessera pas pendant le rassemblement de l'équipe de France. Donc voilà sur ça, sélection plutôt logique de Coman. Fekir, sélection plutôt logique vu ses débuts avec le Betis, qui ont été plutôt intéressants, même si les résultats du Betis ont été plutôt décevants. Donc voilà, c'est logique. Giroud, c'est logique vu que Deschamps compte sur lui depuis pas mal de temps. Griezmann, logique aussi. Ikoné, c'est la surprise et la bonne surprise parce que c'est un joueur que je trouve intéressant et je suis content de le voir dans cette sélection. Et j'aimerais bien qu'il rentre, pourquoi pas, un quart d'heure de la fin dans un des deux matchs que l'équipe de France va jouer pour voir un petit peu ce qu'il fait. Et je pense qu'il peut être intéressant, notamment parce qu'il est rapide et en fin de match, je pense qu'il peut poser des problèmes aux équipes adverses. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de l'avoir sélectionné et je suis content de le voir dans cette sélection. Lemar, assez logique, c'est un joueur que Didier Deschamps fait confiance. Donc voilà sur ça. Pas grand chose d'autre à dire sur Lemar. Je trouve quand même ses prestations plutôt moyennes avec l'Atlético, même si dans ce début de saison ça a peut-être été un petit peu mieux que d'habitude, mais bon, voilà. C'est pas illogique qu'il soit sélectionné. Donc voilà sur cette sélection, voilà sur mon avis sur cette sélection. Voilà sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.